Ouais, regardez, là, juste ici, regardez, je vais l'allumer, il est juste en dessous. Hello tout le monde les amis, c'est Ilian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme d'habitude, pour un nouvel épisode sur Vifnav, toujours accompagné de Red, ici présent, regardez, magnifique. Alors, j'ai toujours mon inventaire hein, rempli d'énormément de choses, rempli de caméras moniteurs par exemple, une flashlight aussi qu'on n'utilise plus forcément. Écoutez, on va l'utiliser plus souvent maintenant que avec les shaders on en a besoin, parce qu'on ne voit plus rien hein, actuellement, regardez c'est n'importe quoi. Juste quelque chose des amis, juste vous avez pu voir, j'ai rajouté des nouvelles, enfin j'ai crafté de nouvelles security caméras pour l'intérieur de la base, vu que maintenant on fait une base un peu plus sécurisée, tout ça, vu qu'on a Night Marionette et tout, regardez qui est juste là-bas, non je rigole, hein, ça c'est la vraie, et là-bas c'est notre Night Marionette à nous qui est toute gentille, regardez, toujours aussi sympathique, hein, toujours aussi présente. Ah, j'en ai juste profité pour baisser les mon render distance parce qu'il me faisait un peu laguer. Vous allez voir, j'ai encore un peu bossé hors caméra au niveau de la salle, au niveau de la salle des comment dire, des chambres. On a Golden qui est là, comment ça va Golden? On va le prendre avec nous comme d'habitude, toujours présent, toujours beau, toujours magnifique. Et regardez, oh là là, cette zone, vous l'avez bien aimé, hein. Clairement vous avez bien aimé, vous m'avez proposé énormément d'idées par rapport au justement à cette zone. Vous m'avez dit qu'en vrai on devrait vraiment capturer tous les animatronics et leur faire une chambre, hein. Vous m'avez tous dit ça. Et ben écoutez, en vrai c'est franchement une super bonne idée, je pense qu'on va faire ça. On va faire une chambre pour tous les animatronics, donc une chambre gentille, bon quand ils seront gentils bien sûr, et une chambre méchante quand ils seront comme là-bas bien sûr, méchants comme Night Marionette. Donc vous allez voir l'intérieur, hop, regardez comme c'est beaucoup trop classe. J'ai juste pas avancé sur ma chambre à moi, et toujours le sol est toujours aussi moche. Mais regardez, voilà, les portes ont été arrangées. Ici, c'est très très classe. Regardez, on a la chambre de Golden, la chambre de Night Marionette qui est là, ma chambre qui est là. On va réouvrir. Hop, et vous allez voir, la seule chambre que j'ai faite, c'est la chambre de Pingouin. Et vous m'avez. Il y a quelqu'un qui m'a proposé quelque chose. Il m'a dit en commentaire, mais Gillian, pourquoi tu referais pas une chambre qui représente une pizzeria pour les animatronics? Au moins, c'est un peu plus leur environnement. Et en fait, c'est totalement ce que j'ai fait. Donc regardez, on a une magnifique petite chambre pour Pingouin avec une petite chaise, un petit lit, des bandes d'arcade et Freddy, Bonnie et tout. Et c'est vraiment très très stylé. En tout cas, je crois que Pingouin aime bien. Et regardez, en vrai, ça fait très très classe. Moi j'aime beaucoup comment ça rend, c'est très très sympa. Et écoutez, au moins il est tout tranquillou, c'est bizarre, j'ai un bug de... ça va, c'est passé. Mais en tout cas voilà, Pingouin est là, il a sa petite chambre, en vrai c'est très très cool. Et puis voilà, donc aujourd'hui, écoutez, on va essayer de trouver peut-être un nouvel animatronics, je ne sais pas, donc c'est ce qui va être important pour aujourd'hui en tout cas. Mais si on cherche un animatronics, c'est un animatronics méchant, bien sûr, pour qu'on se fasse un nouvel ami, du coup. Donc, pour l'instant, en vrai, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a énormément d'animatronics qui se déplacent la nuit. Vu que j'ai installé les caméras, j'ai pu un peu voir, mais il y a énormément d'animatronics qui se déplacent la nuit, maintenant. Mais dans la forêt et tout, c'est n'importe quoi. J'ai juste vous montré les caméras que j'ai installées. Donc ça, j'en ai rajouté juste une caméra dans la chambre de Pingouin. C'est très sympa. Écoutez, au moins, ça nous fait quelques petites caméras, et puis on voit l'intérieur de la base. Il y en a une qui est juste là qui nous permet de regarder le couloir à droite et une autre à gauche qui nous permet de regarder dans ce couloir là. Enfin c'est très très simple, rien de très compliqué. En tout cas, on va juste laisser Golden peut-être ici juste pour garder la porte. En attendant, je vais fermer et on va essayer d'aller avec Red dans du coup le... On va aller juste poser tout ce qu'on a en stuff, par exemple en stuff de build et tout pour aller chercher du coup un nouvel animatronics. J'espère qu'on va en trouver un. A chaque fois je confonds. Mais est-ce que par exemple on en voit de là déjà? Oh, super, Red qui est tombé. Et est-ce qu'on voit un animatronics ici? Ouais, regardez, là, juste ici, regardez, je vais l'allumer, il est juste en dessous, je sais pas si vous voyez, il est juste à cet endroit-là, et en fait, il y a regardez, je crois qu'il y a un Freddy là-bas. Donc bon, du coup, regardez, on a un Freddy là-bas. Et en vrai, j'en vois pas d'autres pour l'instant. Ah si, il y en a un juste là, au bout. J'ai pas... C'est dommage que j'ai pas de... Red fait n'importe quoi. Red nous fait de la folie. Je sais pas ce qu'il nous fait. Enfin bref. Dans tous les cas, il faut qu'on aille poser nos affaires. Donc, Red va venir avec nous. Bon, Red va rester ici. On va tout poser dans cette base. Est-ce qu'il y a un coffre où je pourrais vraiment ranger tout? Je vais tout ranger dans ce coffre-là. C'est un peu notre coffre
pour tout et n'importe quoi ici. Hop, 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 hop. Au moins, ça va nous permettre de nous faire un peu de place dans l'inventaire. Et puis, clairement, c'est mieux comme ça. Est-ce que je mettrais des... Ça, il faudrait que je me refasse un caméra moniteur pour cette base-là. Cette base qui n'est pas toujours pas finie, d'ailleurs. Hein. À un moment, il faudrait la finir. Est-ce que... Tout va bien ici, il n'y a pas de problème. Ouais, le portail est toujours là. Apparemment, ce que je vois, tout va bien. Ok, c'est une bonne nouvelle. On va, du coup, partir à la recherche des nouveaux animatronics. Et du coup, oh, je vais devoir y aller en volant. Ce qui va être une... Oh, j'ai pas trop envie d'y aller en volant, quoi. Ça va être un peu n'importe quoi. Bon, est-ce qu'on en voit d'autres par ici? Ouais, il y a un Freddy là. Oh, il y a Funtime Freddy qui est juste là. Ok, et là-bas, il y a Circus. Ok, bah vous savez quoi? Vous savez quoi, on va s'attaquer à Circus. Et dans, pour les prochains épisodes, je vais essayer de vous faire voter. Je vais essayer de vous faire voter, les amis, pour les prochains épisodes. Vous allez essayer, vous allez me dire le plus populaire de celui que vous voulez d'animatronique. Je vais essayer de le capturer pour ça sera la prochaine capture. Pour qu'il devienne notre prochain animatronics ami, si je peux dire ça. Bien sûr, il va avoir un bug de texture. Enfin, un bug de shader, c'est normal. Hop. Faut juste que je sorte d'ici, après je me remets normal. Faudrait que je me fasse une porte, d'ailleurs. Une porte cachée, parce que là, en vrai, sortir à chaque fois en... Sortir à chaque fois comme ça, c'est un peu bugué. Hop, hop, hop. Ok, ils m'ont vu. En plus, super. Ils m'ont tous vu, là. Hein. C'est... j'aimerais bien passer comme ça sans me faire un peu, sans me faire voir, ça pourrait être bien. Ok, on a Circus qui est juste là. Si je peux avoir juste Circus, ça pourrait être parfait. Hein. En vrai, ça pourrait être vraiment cool. C'est celle qui m'intéresse le plus pour l'instant et c'est un des animatronics qui nous intéresse le plus. On va pas se cacher quoi. Donc, écoutez, regardez là. Regardez Circus qui est juste là. Je sais pas ce qu'elle fait, mais en attendant, elle essaie de se déplacer vers nous. C'est plutôt étrange, en tout cas j'espère que vous allez bien. Bon, nous c'est ça devient de plus en plus compliqué de capturer des animatronics maintenant avec... c'est vrai que je sais pas pourquoi il y en a autant dans la forêt, mais ils reviennent. Je sais pas pourquoi, tant Purple a refait un nouveau portail ou je sais pas ce qu'il a pu faire, mais c'est un peu n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, ils sont là-bas. Je sais pas ce que fait Circus. On dirait qu'ils sont appelés par ce côté là-bas. Regardez ça. Je comprends rien. Attendez, on va essayer de se rapprocher d'elle. C'est un peu bizarre. Ok, ok. Bon, en tout cas, elle arrive. Par contre, toi, je te veux pas trop. Hein. Y a un Freddy juste là-bas. C'est un peu n'importe quoi. Regardez ça. C'est fumé. Bon, ouais, j'en profite pour faire des screens. On est comme ça, hein. Passons pour la miniature, vous savez. Mais là, hop, la question. Oh, j'ai même pas le bloc. Oh, je vais faire comment? Je vais faire comment? J'ai même pas de bloc pour. Oh là, ça va être terrible. Est-ce que j'ai le temps de casser un arbre? Yes. On va casser cet arbre. J'ai pas de bloc pour faire une passerelle. Ok, super. Hop, bien sûr, j'ai toujours pas changé le pack de texture. Ok, Funtime qui est juste là. Allez, viens ici. Allez, viens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tomber, ok. Est-ce qu'elle va réussir à monter? Ok, elle le monte. Je me dis, mais what the fuck, elle a cassé l'arbre, mais non, c'est moi. J'ai oublié. C'est vrai que j'étais un peu perdu, je comprenais pas trop. On va juste essayer de s'avancer, on va essayer de la faire tomber, genre... Je ne sais pas, peut-être ici, dans celui-là, ça pourrait être bien. Genre vraiment au bout du bout, quoi. Genre là, regardez. Faut qu'on arrive à la faire venir là. On va voir si elle est plus stupide. On va voir si elle est plus stupide que Night Marionette. Apparemment, oui. Ah non, j'ai rien dit. Aïe, aïe, aïe. Night Marionette qui est un peu plus intelligente. Pour l'instant, oh là, c'est compliqué. Et viens, là, sur la passerelle. Mais pourquoi? Mais ils savent que c'est un piège, hein. Ils le savent, mais c'est terrible. Yes. Non, mais tu vas pas. Allez, viens. Super. Aïe. C'est un peu... Je vous avoue que c'est toujours la chose un peu plus compliquée. C'est de les faire entrer à l'intérieur. Mais ils veulent pas. Elle veut pas. Elle veut absolument pas. On va essayer de faire... Attendez.
Hop. Ok. Ok. Allez, là, tu me vois, là. Allez, rentre. Viens. Mais regardez ça. C'est quoi cette technique? Peut-être qu'elle est... C'est trop grand. C'est trop... elle est trop large. Du coup, elle n'arrive pas à passer. Je comprendrais, en vrai. C'est un peu compliqué. On va essayer de faire le tour. Ah, et bah voilà. C'est parfait, ça tombe dedans. On a un nouvel animatronics. On va essayer de pas tomber, nous aussi, ça pourrait être bien. On va fermer tout ça, bien sûr. Il faut juste chercher des blocs de... Waouh. Il faut juste que j'aille chercher des blocs de terre. Et puis, oh là là, et deuxième animatronics, les amis. Ce serait pas parfait, ça? Une circus baby qui est juste là. Magnifique, hein. Bah moi je suis très content, hein. Je suis très content, je sais pas ce que t'en penses, toi tu dois être un peu deg. En tout cas les amis, deuxième animatronique, ça fait extrêmement plaisir. Regardez ça, oh là là, c'est classe, c'est très très classe. Oh là là, bah écoutez, vous savez quoi? Vous savez quoi, voilà, je vais juste refermer tout ça. Je vais aller refermer tout ça, on va... Ah, toujours Circus qui reste aussi un de mes animatronics préférés, hein. Incroyable, on va essayer de passer, regardez ça. On a enfin Circus Baby. Et depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on en parle de Circus, on a Night Marionette qui est juste là. Ah, c'est classe, c'est classe. Bah écoutez, vous savez quoi, je vais juste aller chercher, voilà. La... Je vais juste aller... Toujours, je me trompe. Je vais aller chercher la terre. Est-ce que j'en ai dans ce coffre-là? J'en ai, mais pas assez. Ah oui, là, ok, là, on est large. On est très, très large. Bah écoutez, on va y aller maintenant. Bien sûr, je peux pas revenir là-bas, il faut que je fasse le tour. On va à l'endroit et on va reboucher du coup cette partie là. Putain, mais tellement classe la base quand il pleut, c'est extrêmement stylé. C'est extrêmement stylé. Il y a juste l'eau qui est buggée, c'est normal, c'est les shaders, je suis en chauve-souris, ne vous inquiétez pas. Et il y a. Il y a un Freddy qui est juste là, ok. C'est un peu n'importe quoi. Et, voilà, et tout est revenu comme avant, voilà, c'est parfait. Je vais juste. Non, normalement, Freddy ne va pas m'attaquer parce qu'il fait. Il fait jour. Du coup j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup ouais voilà. C'est n'importe quoi, regardez ça. On a des animatronics de partout. Je sais pas pourquoi ils nous suivent, mais en tout cas juste le fait de les faire spawner. Déjà dans tous les cas, enfin de les avoir nous, ils pourront plus spawner. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On va essayer de hop, de vite aller boucher tout ça parce que là, je vous avoue que avec la pluie et tout, ça commence à être un peu inondé comme zone. C'est un peu n'importe quoi. Hop, de façon, Circus. Circus ne va pas nous attaquer parce qu'il pleut. Donc on n'a pas de problème avec ça. Hop. Regardez, on va fermer. On va mettre quelque chose de plutôt classe. De toute façon, dans tous les cas, les amis, on va reboucher pour pas que Purple se douche de quelque chose. Même si, à mon avis, il connaît l'endroit. Là, il y a un peu de remue au niveau de l'eau. Il y a beaucoup de remue. What the fuck? Allez, c'est à cause de la pub, vous me direz. C'est un peu normal. Est-ce que je vais avoir assez de terre? Je pense que oui. Ben voilà, c'est parfait. Regardez ça, un peu de terraforming. Là, du coup, on a une marionnette qui est juste là. On a Circus qui est juste ici. Oh, c'est tellement classe! Tellement classe, les amis. Regardez ça! C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop, trop beau. Ok, allez, on va retourner dans la base. Je pense qu'on va pas, changer Circus dans cet épisode. On fera ça dans un prochain. Parce que là, en vrai, on a pas mal de choses à faire. Voilà, regardez Night Marionette qui est juste là. Et Circus, les amis. Ah, mais oui! Mais je suis tout. Ah, c'est vrai que c'est des fake glass, mon dieu, qu'il faut mettre. Ah, j'ai oublié. Bah écoutez, je vais faire ça, j'arrive. Bon, voilà, regardez, c'est magnifique. Regardez, où est-elle? Regardez, voilà, magnifique. Hein. Au moins, elle a le toit. Mon dieu, j'ai coupé le son, c'est n'importe quoi. Parce que j'étais en train de regarder une vidéo à côté, donc du coup, c'est n'importe quoi. Donc regardez, voilà, on a Circus qui est juste là. Les amis, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là en vrai pour cet épisode, parce qu'en vrai. On est pas mal loin, on a fait pas mal de choses. Donc écoutez, je pense que voilà, on va se laisser là. On a fait quelque chose de très très important durant cet épisode. Quelque chose qu'on devait faire depuis un gros moment. Et puis écoutez, je suis vraiment très content d'avoir eu enfin, eu Circus. Qui est un des animatronics que vous aimez le plus. En tout cas, je vous le rappelle... Juste au cas où, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel animatronics vous voulez qu'on rajoute, hein, bien sûr, dans... une de nos cages. Donc là pour l'instant il nous en reste 3, enfin il nous en reste une logiquement parce que celle-là est pour un autre animatronics, donc je pense Funtime Freddy.
ou autre. Et celle-là était pour de base Purple Guide. Donc en vrai, il nous en reste deux. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire lequel vous voulez. Je prendrai bien sûr le plus populaire. À vous de choisir, voter, liker le commentaire qui vous plaît le plus. Laissez un commentaire, faites ce qui vous plaît. Mais les amis, voilà, je compte sur vous. Ok, Twitch, on va hésiter. Je compte sur vous, on se dit à très très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de laisser votre plus gros pouce bleu pour cette capture de Circus Baby. On se dit à très très bientôt. C'était Red, Nightmare Marionette et Gillian. Allez, bye tout le monde.